Hey, salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur Outlast pour la suite des épisodes. Et on s'est arrêté dans une petite maison où il pleuvait du sang. Totalement. Du sang ou de la pluie, je sais pas. Je suis pas devin, plus tout au moins. Ah, on faut enregistrer, ok. Donc on est prêt encore à souffrir, à mourir, à se faire taper dessus, à courir, bien sûr, à se planquer. Je pense qu'on va encore bien s'amuser. Je pense que je vais encore bien flipper aussi. Ça, c'est une seule solution aussi. Mais bon. Comme on dit, quand il faut y aller, il faut y aller. Je regarde si j'ai tout. Pile, ok. Bande, ok. Tout est bon pour eux. Donc, en gros, j'explique un peu pour les personnes qui n'ont pas vu les autres vidéos. On cherche l'entrée de la mine. Mais pas que, on essaye de trouver l'histoire un peu de la petite Jessica qui s'est pendue en fait. Donc c'est bien compliqué. Ok. J'ai atteint la mine. Ok, ça c'était fait. On parlait de la mine, c'est bon, j'ai trouvé. Allez, la fameuse mine. En fait, j'essaie de me mettre à courir, comme ça va 10 fois plus vite. Ah bah toi, t'as eu un souci, toi, t'as eu ton pendu par les pieds. Toi, t'as eu... Ah, par le nez. Donc voilà, on est rentré dans la mine. On arrive. Donc, tout au moins, la mine, ça ne doit pas y ressembler pour l'instant. Ouais. Déjà, la porte qui se referme tout seul, ça, j'aime pas du tout. La musique qui accélère en même temps. Pas tellement plaisir. Ok. Une tête qui tombe comme ça du là-haut. Pas mal. C'est vraiment pas mal. On va fermer cette porte. D'accord, on peut pas la verrouiller. Ça, c'est une bonne chose. Je recharge, hein, on sait jamais. Hop, on récupère la petite pile. Désolé si je parle pas beaucoup les amis, j'essaie de rester concentré entre deux. Parce que c'était pas si facile. La musique, ta gueule, ça suffit. J'aime pas du tout la musique qui accélère comme ça là. Et j'ai envie de vous dire en plus, je suis en train d'avancer. Putain, ça me fait des chairs de poule. Quand j'arrive ici, je sais pas pourquoi j'aime pas. C'est juste du vent, t'inquiète pas. Tu peux y aller, c'est que du vent. Putain, on peut pas les verrouiller en plus les portes. Je sais pas du tout, je cours. Ouais, déjà on va se calmer, ok. Ça, c'est en train de se balancer comme ça, je suis pas trop d'accord. On va un peu se détendre. Pourquoi cette chaîne-là se balance comme ça? J'ai pas trop envie d'avancer en fait. Tout au moins. Y'a quelqu'un? Putain. Désolé si je fais un peu des cris bizarres, mais bon, ça fait peur. Les méchanceurs ont été tués. Putain, mais t'es moche. Nous devons partir. Il faut y aller. Ah. Ouais, je suis d'accord, mais tu peux prévenir la prochaine fois. T'essaies de m'envoyer un message ou t'essaies de m'appeler. Hein? Au lieu de faire peur aux gens comme ça. Faut que je change encore de caleçon, encore une fois, par ta faute. What? D'accord. Je me retrouve encore une fois dans des endroits insolites, on va dire, entre guillemets. Je sais pas où je dois aller, hein. Je cours pour voir les portes. Bien sûr, c'est fermé. J'espère qu'il y a personne là-dedans parce que sinon je suis dans le caca. Ok. Là-bas, il y a une porte, on va y aller. Hein. Bah, au moins la porte elle s'est fermée, comme ça on est tranquille.
Des ordinateurs, ok. On va fermer cette porte là. C'est pas plus mal. Alors. Il n'y a rien ici. C'est pas drôle. Pas du tout. Une pile. C'est pas drôle de jouer avec les fauteuils. Il y a un ordinateur allumé. C'est le seul ordinateur, mais ça va. Alors, dis-y que... T'es là? Salut. Ça marche. C'est bizarre. Je te vois à l'écran sur l'ordinateur. Retourne-toi. Non. Non, j'ai pas trop envie. C'est bizarre, je te vois derrière... Attends, je te vois sur l'écran. Je te vois écrire sur l'écran d'ordinateur. Retourne-toi. J'ai pas envie de trop m'en retourner, en fait. D'accord, c'est que ça, en fait. Ça va encore. Ça fait un peu peur, mais bon. Je peux te voir. C'était quoi sur ton écran? La fenêtre que tu as fermée tout à l'heure. Rien. Putain, mais arrêtez d'écrire, j'arrive plus à suivre. Je te fais coucou. Ouais, il y a un bug de setup ou je sais pas quoi, il y a tous les ordinateurs bug entre deux. En plus, il faut que je filme. Putain, mais elle fait peur quand elle dit retourne-toi. Je pensais pas du tout que. Voilà, j'ai pas trop envie de me retourner en fait. Une porte, oui. Une porte fermée. Bon, c'est, j'ai bien compris qu'il faut aller là-bas. Jessica, elle est là. Elle allait se baigner. Elle va tout au moins se baigner. Je fais gaffe parce que des fois je cours, mais bon, il peut y avoir du monde derrière. Mais non, couillon, je te demande de fermer la porte. Abruti. Toi, tu fermes les portes, tu sais pas les fermer. Naturellement, il y a une porte à droite ouverte. À gauche. Bah tiens, la piscine. Jessica. Il est con, lui, il ouvre la porte comme ça, il fait peur. Putain, mais il est peu abruti, ce mec. Ça, je le sens pas du tout. Je sais pas pourquoi, je le sens pas du tout. Merde, il m'a fait peur. Je préfère rester là, pour l'instant, on sait jamais. Il n'y a plus de piles. T'es sûr, t'en as plus? Je sais pas, mais je le sens pas, donc on va aller là-bas. Vite. Il est parti. Hey, non, il est pas parti. Il était à la même fesse en fait. Il est pas du tout parti en fait. J'ai dû remonter là-haut. Purée, ça commence déjà bien. Putain, il m'a fait peur. Je pensais vraiment qu'il avait fait demi-tour, mais non. Mais qu'est-ce qu'il veut lui en fait? Il est moche. Ouh, ça fait peur. Attendez, merde, je reprends là. Ouais, bah laisse-moi ressortir, je remonte là-haut. Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Laisse-moi. Je te connais pas, tu veux pas t'abonner à ma chaîne. Vite. Gauche ou droite? Gauche. C'est fini? Allez, y'a quelqu'un? Bonjour, bonsoir. Non? Je sais pas où je vais. Tout de bon. Y'a une porte avec la lumière. Ouais, c'est quoi ça? Encore? Mais j'en ai marre de la flûte. Pas possible, la flûte. Quoi, je veux sauter, c'est... Voilà, merci. J'en ai marre, à chaque fois... Merde, je croyais qu'il y avait quelqu'un, mais non, c'est... La petite goutte de flûte qui fait ça sur l'écran, en fait. À chaque fois, dès qu'on voit, faut qu'on traverse des endroits stupides, c'est chiant. Bah tiens, il y a une porte, on va aller là. Oups. C'est quoi ces bruits? Y'a quelqu'un?
J'entends des bruits. Désolé, mais je me cache. Hein. Quand j'entends des bruits, je me cache. C'est vraiment des choses. Hein. J'ai pas très envie de bouger, mais pas du tout. Comment faire? Si je reste là, en fait, on va me retrouver au bout de 20 ans, mais un peu desséché dans mon conteneur, dans mon bidon, en fait, et... je sais pas comment faire. J'entends du bruit, j'ai l'impression qu'il y a du monde. Et on sait jamais si c'est l'autre folle qu'on a vu au début. Ça peut être elle aussi. J'ai pas très envie que ce soit elle. Du moins, la porte, elle est bloquée. J'essaie de faire gaffe parce que si du monde en fait. Putain. Ce que je disais, je m'en doutais. Je sais pas pourquoi. Vu que depuis tout à l'heure on a entendu du bruit. Bon, ça va, c'est un mur. La porte elle est là donc ça va. Je peux pas venir. Merde, j'ai dû me la fermer, ils m'ont entendu. Ils m'ont entendu, je lui ai dit tu veux pas venir. Il est juste là en plus. Ah merde, en plus il est tout nu. Je crois qu'il cherche son pantalon. Il y a de l'ombre. Deux. C'est quoi ça? C'est des plantes. C'est des plantes. Je sais pas, ils ont... ouais. Désolé, mais je savais pas qu'il était à poil comme ça lui. Je pensais qu'il y avait un... tout au moins un slip. Ouais, ça fait un peu peur. Faut que je tourne en fait sur la gauche à la porte, mais il faut pas qu'il me voie. Cours. Conseil, cours, t'arrêtes pas de quoi. Ouais, j'ai vu quelque chose. Cours, t'arrêtes pas, cours. T'arrêtes pas, mec. T'arrête pas. Je suis dans ton froc s'il faut, mais quoi, t'arrête pas. Putain, il arrive en plus, il est derrière. Vite, vite, saute. Je sais pas du tout où tu dois aller. Hein. Bonsoir. Un qui a perdu sa roue. Oh putain, ça arrive là, en plus, il commence à perdre sa vie. De... sa vie. Entre guillemets, il est en train de... Je peux plus courir. Il faut qu'il respire. Vite, passe à... Ouf. Ouais, putain, ils sont là. Je vais aller où? Faut que je pousse ça. Ah, mais t'es pas sérieux? Saute. Non, mais t'es pas sérieux, maintenant j'arrive à l'école. Oh, c'est du n'importe quoi. Un coup, je me retrouve dans la mine, après je me retrouve au collège ou à l'école, comme vous voulez, et je reviens là. Mais tout va bien, le mec. Le mec, tout va bien, il revient là, suspendu à des rebords de fenêtre. Ok. C'est pas mal. Mais bon, ça fait un peu flipper quand même. Là, si je tombe, je suis dans la merde. J'ai envie de vous dire. On peut le dire, tout au moins. Ouais. On va commencer par se souvenir. C'est conseillé, tout au moins. On va aller direction de la lumière, de toute façon, la porte est ouverte. J'espère qu'il y a personne. Oh putain. Regardez, il y a quoi? Ils sont tous pendus. Ah d'accord, puis en plus il faut enregistrer. Yeah, c'est pas mal. Ça donne pas trop envie, mais bon. J'ai choisi, soit partir à droite ou à gauche. Je suis plutôt droitier, on va partir à droite. Hein. De toute façon, à gauche c'est fermé. On va partir à droite. Oui, il y a des bouts derrière moi. Casse. Jésus. Ferme les portes. Ferme les portes. Il y a des traces qui apparaissent.
Je sais pas si c'est là qu'il faut aller. Et merde. Une pile. Ça c'est l'avantage. Guy. Je sais pas où du tout où je dois aller par contre les amis. Tu peux choper la poignée de la porte et voilà l'ouvrir. Par là. Je suppose. Je sais pas où du tout où je vais donc ça doit être ça. C'est moi ou il y a quelqu'un là-bas? Oh, il y a du monde. J'ai même pas envie de savoir, j'ai envie de vous dire. Ah, il y a encore l'histoire du pendu. Jessica? Non? Ah, c'est pas les prénoms des personnes. Jessica. Non? Black? Je sais pas. J'ai l'impression en fait, je pense que ça soit le... Dites-moi dans les commentaires si vous savez un peu plus. J'ai l'impression que ça ressemble au nom de... Bah, Jessica, puis une autre personne, une autre fille, ou... Ou le mien. Bonjour. Oh putain, ça fait mal aux yeux, ça, la lumière. Pourquoi faut que je vienne aux toilettes, en fait, je suis con. Je vais éviter tout au moins les toilettes. J'ai eu peur. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un en fait derrière moi. Mais je sais pas du tout où je dois en fait. C'est bien beau tout ça, mais la porte elle est fermée. Je fais comment? D'accord, non, elle est ouverte. Pas mal. Les berries. Oh, on retourne dans la bibliothèque. Par contre, doucement quand tu voulais partir. Il y a du monde qui révise. Non, mais ferme cette. Porte, voilà. Mais tout au moins, on essaie de faire moins de bruit parce qu'il y a du monde qui révise aussi. Il y avait du monde qui révisait. Il doit plus avoir personne, mais bon. Ouh putain! C'est quoi ça? Je dois aller où? Non, t'es pas sérieux. Je sais même pas où je dois aller en fait. Copain, t'es où? Copain? Et pas copain. Je sais. Sérieusement, je sais pas où je dois aller. Oh putain, c'est quoi ça? Et j'en ai aussi l'air chair de poule, les amis. J'avais peur. Bah ouais, mais bloqué, je me fais comment moi? Je suis bloqué aussi? Je peux pas passer par là en fait. Qu'on passe par où? Par là? Putain, c'est un labyrinthe. Ouais, j'aime pas ça. Désolé de dire ça, mais c'est pas une bibliothèque, ça pour moi, c'est un labyrinthe. Hein. Putain! Eh merde! Il est vivant? Oui, il est vivant. Il me poursuit donc, oui, il est vivant. Je sais pas où je vais. Recharge-moi ça. Putain, je crois qu'il arrive. Eh merde. Ah, fais chier, je sais pas où je dois aller en fait, les amis. Ah, ça va être chiant. On va passer des heures dans la bibliothèque. Donc là, il s'en va, ok. Je crois que c'est par là. Voilà, c'est ça. Euh!
Putain, mais deux fois, lui, il me fait peur. Comme je sais pas du tout où je dois aller, en fait. Derrière lui, je pense. Putain, puis l'autre, il repasse. Enfin, j'essaie de lui mettre une carotte, en fait. J'essaie de parler comme ça, mais j'ai pas chaud, en fait. Puis la caméra qui déconne comme ça, j'aime pas. Et non, putain, tu veux pas me lâcher, toi? Je t'aime pas, je t'ai jamais aimé. Et merde, je suis coincé. Faut que je lui fasse une petite fente. Mec, il veut plus courir. Non, t'es pas sérieux. Mec, j'ai la chair de poule. Je crois qu'il est derrière mon cul, en fait. Je dois aller là-haut. Vite. Vite. Monte sur le tas de livres. Allez, tu peux le faire. Je peux compter sur toi, mon ami. Tu l'as fait. T'es en train de le faire. Ça fait tout simplement peur. Oh, sauvegarde. Ouf, je m'allonge. Les mecs, je suis en train d'avoir peur. C'est bien flippant. Yo, vous avez vu derrière la porte, il y a June. J'espère. Oh putain, j'aime pas ça. Oh, la bibliothèque est trop grande. Oh putain, il y en a des livres ici. Ouais, mec, t'es passé. Où? Ils ont pété le carreau, les cons. Jessie? Là-bas, il y a une porte. Une lumière. Ah, moi, je crois que je m'arrête plus. Oh non, mais putain, mais tu veux pas me lâcher, toi, t'es moche. Eh hey, merde, ah oh, il me saoule lui. Je vais galérer avec lui, sérieusement. En fait, il faut que je passe derrière lui, comme tout à l'heure. Mais j'aime pas, il est moche en plus. Il est horrible. Je sais pas comment ils font les autres pour l'avoir, mais voilà. Tape, il faut que je redescende, ça veut dire. Oh putain, fais chier. Jessie, viens là. En fait, il faut que je la suis, je pense. Ouais, bah je te suis. Jessie? C'est quoi ça encore? Oh non, mais c'est quoi ce délire? On arrive à chaque fois dans des endroits insolites. Des bibliothèques, on repasse à une grange ou dans la campagne, je sais pas. C'est mon bouche d'olé en fait. Ouais. D'accord, faut tirer ça en fait. Il faut le tenir. C'est là? On va dire oui. Putain, mais c'est où? Je comprends. Et moi, des trucs comme ça m'énerve vite des fois. D'accord, c'est ça. Et où je dois aller, je sais pas. Je viens de passer la porte, mais après, oui. Il pleut toujours. Oh putain, il y a des marches. J'aime pas ça. À chaque fois où je tombe, il y a toujours des marches. J'ai toujours peur, en fait, tomber sur des mecs à poil qu'on a vu tout à l'heure. Mecs à poil. Des monstres. Je me suis juste perdu, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Je suis gentil. Putain, il y a des bruits bizarres. Il y a du monde. Vite, 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 le petit trou. Vite. Prends le petit trou. Je sais pas où je dois aller. Il y a une porte. Ah merde, putain, il faut interagir. Ah, j'aime pas ça. Bien, comment on fait? Il faut rester appuyé en fait. Non, t'aurais dû fermer. Non. Putain, non, j'étais trop long, j'aurais dû fermer la porte. J'ai pas pu.
Interagis, vite. Tu ouvres cette porte si tu la refermes derrière toi. Vite. Eh ouais mon con, t'es bloqué. Je sais pas du tout où je dois aller avec ça. Ouais, en gros, je peux faire quoi avec ça? Ouais, à l'aide. Allô, c'est bon, j'ai trouvé. Il est pas content en fait parce que je le laisse tout seul. Bonjour. T'es moche. Ta maman, elle te l'a déjà dit? Non? Bah là, elle vient te le dire en fait. Elle m'a dit de te le dire, j'ai vu hier soir, elle m'a dit tu diras à mon fils qu'il était moche. Je me bouge de lait en fait. En sous. Vite, je crois qu'il y a du monde derrière mes fesses. Et merde. Ça passe partout ça, ces conneries. Cache-toi, vite, vite. Putain. J'ai pas vu les marches en fait, je les ai vues d'un moment. Ça fait peur. De toute façon, je sais qu'il est tout seul déjà. Une bonne solution. Deux, je sais qu'il faut prendre les marches à gauche. Là, on avait dit c'était quoi? Sauter? Ouais, c'est ça. Sauter et passer en dessous. Enfin, je perds trop de temps, mais c'est normal, je suis perdu en fait. Putain, il est derrière mon cul déjà. S'il vous plaît, il fallait où? Là? Putain, on dirait des chacals, les mecs, la mère qui gueule. Putain, ils sont combien là-dedans? Non! Non! Je retombe là, non! Oui! T'es moche? Vas-y, tape-moi dessus, de toute façon, je suis mort. Oui, vas-y, vas-y, encore. Merci. Purée! Est-ce qu'il fallait vraiment passer la poutre? Ou pas? Parce que je suis tombé. Tout de moi. En fait, il est pas tout seul. Ils sont 5, 6, 7, 10, 20. Ouais, c'est une famille en fait complète. De Humzizi. C'est vrai, ils sont à poil, donc c'est bien des Humzizi. J'aimerais bien être dans la peau de Monsieur Seyrust, parce que lui, quand il fait cette vidéo-là, je sais pas comment il fait. Putain, il m'a poussé! Il a fait une tentative de suicide, il m'a poussé. Putain. Putain, mais non, t'as pas le droit. Bah oui, de toute façon, je suis mort, vas-y. Vas-y, je suis ton homme. Si je peux dire ça comme ça, mais bon. Façon parler. Je suis pas vraiment ton homme, mais bon, tu m'as fait quand même mal. Mais je sais pas où je dois passer en fait. Il dit comment? Et pourquoi? Faut passer la poutre ou pas du tout en fait? Pas la question en fait. Tout au moins, passer la poutre, ça fait deux fois que j'y tombe en fait. Ça fait un peu peur. Là, je saute, je passe en dessous la poutre, je me lève. Et les mecs, ils ont pas mis de flèche en fait, ils peuvent pas m'aider en disant oh, non, c'est pas par là, mec, tu passes pas par là. Ah non, il disait rien. En gros, si tu tombes, t'es dans la merde. En gros, maintenant, j'ai pas... Non, non, non! Oh non, mais j'en ai marre. Non, mais c'est mort, à chaque fois. Mzizi qui m'attend là-haut. Coucou, Mzizi. Tu vas bien, Mzizi? Bah non, c'est une femme Zizi, en fait. Je sais pas du tout où je dois aller. Ça m'énerve. Que ce que je dois faire, je ne sais pas, mon ami. Mon ami, je dois courir déjà. J'ai des méchants derrière mes fesses, ils sont tout nus. C'est des nudistes derrière mes fesses. Et puis encore, ça va. Encore eux, ils ont pas de tronçonneuse parce que sinon, je suis dans la merde. Pas sûr, hein. Tu vois des mecs avec des tronçonneuses te poursuivre derrière ton cul comme ça? Ça fait un peu peur. Non, non, non. Mais mec, mais sérieusement, t'es pas sérieux là. Bon, bah vas-y, tu mens. Je suis ton aime. Vas-y. Merci. Vous allez me dire, mais t'es débile de faire ça? Bah ouais, mais en même temps, pas chaud. Vous voulez, je sais pas ce que je sais pas comment faire en fait. Je suppose qu'il faut passer.
J'arrive pas à passer tout au moins. C'est compliqué pour moi de passer la poutre. Je suis pas attaché en plus à une corde, j'ai peur, j'ai vertige. Ah puis ça m'énerve, tu les entends crier. On dirait qu'ils sont en train de vomir. Ah si je me loupe là, je me prends. Ouais c'est bon, tu l'as fait. Tu peux le faire. Ils sont juste derrière ton cul, mais tu peux le faire. Non. Oh putain, j'ai cru que j'étais doué. Fais pas le con, mec. Oui. Non. Non. Mais t'as pas droit. Non putain, puis en plus il me suit, non mais ils sont derrière, mais non. Oui, je pleure. Mais non, mais j'en ai marre. Ça fait 107 ans, je passe là-dessus, ça fait 107 ans, je suis bloqué dans cette mission. Ça fait 107 ans, je suis en train de dessécher. Merde, con. Oui, en fait j'ai coupé juste le son de la télé, mais ça change rien parce que j'entends le son sur l'ordinateur. Mais j'ai peur en fait d'eux, ils me font peur. J'ai pu pouvoir me balader le soir tranquillement. Mec, tu tombes, je te tue. Accélère juste ton pas, s'il te plaît. Saute. Coucouille. Je suis passé. Je m'en fous, je suis passé. Oh putain. Oh merde. Bah oui, ça tu l'as dit. Non mais t'es pas sérieux toi, tu vas pas recommencer quand même. Ouais, j'ai compris, je ferme la porte. Et après? Contre, je vais où? Ah putain, mais en plus il me poursuit, vite. Putain, mais il va pas me lâcher lui, c'est pas possible. Il est vraiment amoureux de moi lui. T'es sérieux mec? Ah bah les toilettes c'était parfait pour me planquer mais bon. Je peux jouer à lui en fait. Non t'es pas sérieux, t'es là. Mais non putain. Il est pas sérieux. J'en ai marre. Là je retombe sur Jessica. Jessica, je te laisse avec lui, le sanglier. Et je pars par là. En fait, j'ai une solution, c'est soit me planquer dans les chiottes. De toute façon, j'ai peut-être pas trop le choix. Mais bon, ça m'énerve en fait. C'est bon, je lui ai mis une pilule sur la tronche. Oui, c'est bon, j'ai de l'avance sur lui. Saute! Ou rentre! Il arrive. Dis pas qu'il veut passer par les chiottes. Regarde pas en dessous, je fais pipi. Si tu regardes en dessous, c'est interdit, je fais pipi. En fait, j'ai l'impression que c'est ça qui l'aide à savoir où je suis. J'aime pas du tout. Mais jure, mais comment il m'a trouvé? Ah, il faut passer en dessous les chiottes, à tous les coups. Oh, mais non, mais le mec, il fait chier. J'étais bien dans les toilettes, il faut que je ressors. Ouais, bah mec, tu me laisses là? Tu me laisses du temps et je vais aux toilettes. Et tu dois pas savoir où je suis. T'as pas droit, de toute façon. T'as pas droit. Sinon, je porte plainte avec, contre toi parce que tu me suis aux toilettes. C'est interdit de suivre les gens dans les toilettes. C'est moi qui l'ai décidé cette loi, c'est interdit. En fait, il faut que je commence à traverser en fait les toilettes. Voilà, sans qu'ils me voient. Mec, t'as une belle voix, je sais très bien, mais bon, tu me fais tellement peur, j'ai pas envie que tu me cours après. Donc allez, salut. Tu dis bonjour à ta femme et tes enfants. Je sais pas si t'en as, mais tout au moins, tu me fais chier en fait.
Faut que je monte. Ah, Jessica, elle est pendue. Oh putain, il arrive. Cours, mec, cours. Je sais même pas si c'est là. Tout au moins, ça doit être là. Non, mais mec, t'es pas seul, tu vas pas me suivre longtemps aussi. Ah bon, tu te souviens quand t'étais dans un M? Bah putain, t'es plutôt moche quand on aime. Et putain, mais toi t'es partout, c'est pas possible. Ou c'est moi qui tourne rond? Peut-être là. Bonsoir. Un pendu. Ouais, bah je sais pas c'est quoi ça, mais par contre j'aimerais bien me casser d'ici. Porte verrouillée. Chaque fois faut se tourner sur ma gueule en fait. Et je passe par où dans... La fenêtre encore. Sauvegarde. Ah mais t'es pas sérieux. C'est bizarre l'école. De l'école tu passes là, ça fait un peu peur quand même. Je pensais pas vraiment je devais sauter par la fenêtre. Pas du tout en fait. Donc ça fait un peu peur. Bon les amis, du coup on est arrivé à la fin de cette grande partie. Moi je vous laisse sur les images. Et si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les autres vidéos. Laissez un petit GGM pour un maximum de soutien, ça me fera super plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour la suite. Allez, salut !